Playing it clever here, he's made Port do all the work as Port tries to go on the side of the road and just in front of us, because Kutzmann is getting behind as well, the former German champion. Here goes the jump now by Richie Port, 400 metres to go, I think. Really, he just needs to ride as hard as he can and just go for the time. Don't worry about the stage, don't worry. Here comes Jake trying to get around him. This is the attack from the man from Oregon, and he's going to take the stage, I'm pretty sure about it. The stage, hold on. Les plus roulantes de cette fin d'étape. Il n'est pas forcément intouchable, il n'est pas forcément irrésistible, mais les gains qu'il obtient chaque jour lui permettent petit à petit de se construire un véritable matelas de secondes qui vont bientôt se compter en minutes. C'est Simon Yates qui accélère encore une fois. L'anglais qui prend vers la mi-temps d'étape à un peu plus d'un kilomètre du sommet maintenant. 500 mètres encore pour Simon Yates. D'aller chercher une très belle victoire. La dernière ligne droite pour Simon Yates, plus que 100 mètres. Plus que 100 mètres pour le Britannique. Il était déjà passé à l'attaque hier dans le final sur la route de Vence. Aujourd'hui, il était le plus fort dans l'ascension de la Colliane. Victoire des maillots jaunes de Simon Yates qui fait coup double.